Je m'appelle Tania Schwander, je suis prof assistante au département d'écologie et évolution à l'Université de Lausanne. Puis dans mon groupe de recherche, nous étudions la diversité des modes de reproduction chez les animaux. Donc chez l'humain, c'est la reproduction sexuée, tout le monde connaît bien, il y a des mâles et des femelles, mais ça ne se passe pas comme ça chez tous les animaux. Donc en fait, il y a des moyens beaucoup plus efficaces de se reproduire. Par exemple, il y a la parthénogenèse, ça c'est des espèces où il n'y a que des femelles. Donc nous essayons de comprendre les avantages et les désavantages de ces différents modes de reproduction. Alors j'ai commencé mes études en biologie pensant que j'allais travailler dans la conservation par la suite, mais pendant les études, j'ai découvert que la biologie évolutive, en fait, c'est beaucoup plus passionnant. Puis c'est surtout, c'est des amis qui m'ont prêté un livre écrit par Richard Dawkins. Le livre s'appelle Le gène égoïste. J'ai vraiment découvert que c'est ça qui me passionne le plus, en fait.